En fait, l'élan en train de raconter toute son enfance. Ouais, ouais. On enchaîne avec le troisième titre, toujours perdu quand même. Incroyable, ce son-là il va être incroyable. Oh, il y a eu le petit oh. Et salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien. Qui est pas possible et... Bah, pas possible. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que t'as capté que j'ai failli t'oublier? Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de faire une vidéo réaction musique avec toi. Et oui, parce qu'on va réagir à la réédition d'Orelsan, la réédition de Civilisation, 10 nouveaux sons. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le faire avec Madame Pas Possible, parce qu'elle avait déjà écouté l'album Civilisation. Et ton avis sur Civilisation en quelques mots? Merci pour cet avis, je sens que cette vidéo va être riche en renseignements. Non, en vrai j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. Voilà quoi, je suis trop bien en vrai. Mais arrête, hey, tu sais quoi, réaction, t'as juste à réagir. Ouais. Voilà, tu réagis et tu fermes ta... Voilà, ok, okay. Donc du coup, 10 sons, 10 nouveaux sons dans cette réédition, les amis. Donc ça nous fait en tout 25 titres sur cet album, si je me trompe pas, 1h30 de son. Donc ouais, c'est pas mal. Et en plus, dans cette réédition, il y a juste un nouveau feat. C'est le feat avec Angèle, une artiste que j'apprécie énormément. C'est pas vrai? Mais c'était de l'ironie. Ah voilà, du coup, ouais, bah on est... T'aimes manger? Bah donc t'attends de pied ferme le 9e son qui s'appelle évidemment. Bah oui, quand même. Ok, d'accord, quand même. Ok, bah on est parti, on débute avec le premier son qui s'appelle Intro Civilisation Perdue. Pourquoi pas? Si je pouvais sauver le monde, je sais pas si je le ferais. Des fois c'est bon qu'à jeter, foutu des fois c'est bugué. Toute la tyrannie, la lâcheté dont la terre est peuplée. Détruire. Construire. Détruire. Construire. Toutes les civilisations finissent par tomber. Tu sais, dans les yeux, la mer déchaînée sur la jetée. J'ai implanté les graines, j'ai récolté ce qu'on a semé. Adieu l'époque où je me levais, whisky sur la table de chevet. Civilisation perdue, symphonie inachevée. Je peux les calculer, je peux jamais faire de mal. De plus en plus crédible depuis que les Yankees. T'as l'évolution de la prod, elle est incroyable. J'aime ça, moi. Maman connaît le nom des arbres, moi je m'en bats les couilles, superficielle. Je sais juste dire quelle marque est cool. J'ai grandi en ville, je connais que les endroits où faut boire des coups. J'essaye de boucler la boucle, j'essaye de boucler la boucle, j'essaye de boucler la boucle. J'essaye de te parler comme si j'en avais quelque chose à foutre. J'en ai vu tellement petit, je me disais, ne viens jamais quand même. Faut qu'on fasse le tri dans ce qu'on a appris. Mes parents sont pleins de qualités, communiquer n'en fait pas partie. Ça a un côté un peu épique. Les civilisations finissent par tomber, même les empires. Je m'en bats les couilles d'un empire. Quand je serai comme une angine dans la nuit éclairée. Voilà. On avait commencé avec un petit piano tranquille et c'est parti en techno. Incroyable. Là il explique son drapeau de civilisation. C'est wow. Beau. Et bah, une intro qui nous met bien dedans. Ça te donne envie. J'aimerais bien que tu dises ça de moi. Alors on enchaîne. Le deuxième son, les aventures de Mini San. Alors San qui était c'est référence à un son qu'il avait fait dans, je crois c'était dans La Fête est finie. Qui était un très très gros son. Là on est... Ouais, peut-être que ça va être un petit clin d'œil sur ça. Hein. Notre jeune héros à la coupe au bol, flamboyant dans les aventures de Mini San. Jamais je pourrais oublier l'odeur de la pâte à modeler. Quand l'école s'est aisée, couper des trucs et faire des colliers. Normal c'est ma mère, les autres enfants veulent la voler. Donc à la récré... Elle a prod, elle est incroyable. Je préfère être seul et faire des billets maintenant. L'école et gamin du lotissement m'ont coupé les freins sur mon vélo. Oh, on est sur un truc old school et tout là. On déménage par miracle, nouvelle école, nouvelle map. Plus de roulette, le monde est vaste. Superstitieux, en voiture je dois compter tous les arbres. Je finis jamais le jeu, ma mère débranche après prise la son. Dans un nouvel appart, les murs c'est du papier. La nuit la voix est fait. J'ai pas de pote quand j'envoie la balle, c'est le mur qui la renvoie. Des fois je bloque, je crois que mon père s'est fait changer par un alien. Je sais que c'est pas vraiment vrai, j'esquive quand même depuis 3 semaines. Ma mère rentre dans ma chambre, me dit mais pas ton pige. Ton père t'emmène voir SOS Phantom 2 en ville. Y'a école demain mais je suis au cinéma. Mini-San grandit à travers sa quête. Les meilleures histoires sont celles dans sa tête. Je pourrais me venger, ils ont de la chance que j'ai pas de force. Du coup j'ai fait rigoler, je les oblige à devenir mes potes. Au collège je laisse un gosse comme technique de survie. Je tape dans mes mains parce que le meneur voit pas que je suis démarqué. Mon père crie dans les tribunes pendant que je fonce vers le panier. Je travaille que mon shoot, j'ai un drip de merde, je me fais bâcher. Et c'est bien fait de m'inquiéter, la rentrée c'est une catastrophe. Ou comment ma vie n'est plus qu'une grande réunion par en prof. Dans mon nouveau collège c'est mon père le principal. En cours j'essaye de sortir la technique de faire le clone. La prof de bio dans mon salon la fout dans les yeux de mon daron. Il me dit que je suis fou la honte, tu dis moi aussi j'ai honte. Figurine en plastique, Warhammer Card Magic. J'ai réussi à devenir ami avec 2-3 geeks. On passe un été fantastique, rien peut briser notre amitié. En fait, l'élan en train de raconter tout sur l'enfance. Ouais, ouais. Au cas où, si t'avais pas compris. Hein. Non, merci. Lui, on sait jamais. Sur le téléphone fixe, au bord de la crise de panique, je lui dis que je déménage. Elle me dit si tu déménages, je te quitte. Déménage, ça nous sépare, je vais peut-être commencer à vivre.
Elle dit ça se voit, il s'en bat les yeux. On enchaîne avec le troisième titre, toujours perdu quand même. Tout faire pour devenir célèbre, faire que des morceaux, je me plains. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Aurélien Cotentin. Plus je vieillis, plus je suis fragile mentalement. Je m'en ai toutes les 10 secondes. Ma vie, c'est quelqu'un qui me parle et moi qui suis pas dedans. Donc on me demande souvent s'il y a des fils de pute dans la musique. Il y en a. Mais moins que dans le cinéma. Il y a un couple depuis longtemps, je raconte plus certains détails. Juste récemment, je me suis rendu compte d'un truc. Je baisse mal. Toujours perdu quand même. J'aime bien traîner avec des mecs de quartier. Je me retrouve dans des histoires auxquelles un fils de prof est pas très bien préparé. Grâce à mon travail, je croise plein de gens qui m'empêchent de travailler. Quand je suis mal à l'aise, je fais des blagues que je regrette juste après. Tu serais choqué si tu voyais les plans que je refuse. Je refuse des baisses, tu croirais que je suis LGBTQ+. Un pote m'a dit, ta vie est mieux que la mienne, pourquoi t'es tout le temps triste? Ça m'a rendu triste, je commence à me demander si je suis trop sensible. Ouh, ouh. Du monde autour. T'as ce son là, là, pour l'instant c'est mon préféré. Du coup, on enchaîne avec le quatrième titre. Ouais. Juste un dernier, si tu devais finir cette phrase, juste un dernier quoi. Bah, t'as une idée ça? Pff, pas de répartie, c'est dingue. C'est moi. Ah ok. C'est une pièce. C'est moi. Sens bien le côté étudiant. Alors ça je pense c'est les gens vont comprendre. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, qu'il y a une prochaine vidéo qui va sortir. Ça c'est référence au vlog à Amsterdam où Madame Pas Possible avait décidé de prendre une chambre d'hôtel qui n'était pas une chambre d'hôtel mais qui était un placard d'hôtel. C'était une erreur. Voilà, oui, une grossière erreur. Donc du coup voilà la petite ref. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on est là pour boire un verre. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire à 1h du mat? C'est une bonne meuf. J'aurais pu dire belle, mais c'est pas vraiment l'impression que tu me donnes. Par exemple, ma meuf, je pourrais dire qu'elle est belle. Toi, t'es mieux sur les photos, elle est les meilleures dans le réel. Comme un téléfiné. Comme quand elle rit trop fort et je vois la pièce s'illuminer. Là, juste pas sur son Insta, il est éclaté. Elle a pas besoin de se vendre et sans prendre de se faire liker. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après, je ferai mieux de m'en aller. J'ai beaucoup trop de choses à perdre et pas grand chose à gagner. Ah si, parce qu'en ce moment, c'est pas fou. C'est juste au début que l'amour rend aveugle. Ensuite, tu retrouves un peu la vue et tu vois tout flou. Je confirme. En vrai, t'es tellement plus bonne que moi qu'en fait, c'est bizarre. Où t'étais dans tout ce que je voulais, c'était vivre ça. Où t'étais pour partager l'addition sur une pizza. J'ai pas qu'elle n'a connu depuis longtemps, ça va me stresser. J'serais maladroit, genre on se cognait, j'vais culpabiliser. Juste un dernier verre, juste un dernier verre. Après, j'ferais mieux de m'en aller. J'ai beaucoup trop de choses à perdre et pas grand chose à gagner. Tout était flou, maintenant c'est clair, les sons passés dans le passé. Donc là, il est quand même en train de dire qu'il était parti chez une meuf. Ouais. Et qu'il pensait qu'il allait à Ken, mais en fait, il s'est dit au dernier moment, non, ma meuf est meilleure, quand même. Bah ouais, c'est beau. Enfin, c'est beau. Non, c'est pas beau. Bah, c'est j'allais beau. Dire, attends, non, moi, non, je te non. dis ça, c'est pas comme ça que tu réagis, ma grande. J'ai envie que ça kick là. Ta voiture va très vite, ok. Ta montre coûte une blinde, super. Pourquoi t'es en retard, bâtard, t'es riche pour rien. Plus de cul de bof que les bois les pecs, ok. Deux smic dans une paire de baskets, super. Un jour t'as mis une droite à un mec, ok. Tu bois du champagne dans un jet, super. Super. Ok, super, ok, super, ok, ok, super. Ta femme est très vulgaire, ok, super, ok, super, ok. Tu soulèves tes haltères. Ça me fait penser un peu à du propre, ou alors un peu basique. Basique, oui. Ouais, c'est plus basique, ouais. Elle passe trop de temps dans la salle de bain. Plus de pétasses, plus de messages. Ouais. Plus de problèmes dont j'ai pas besoin. Art contemporain, flingue. Ouais, en fait, c'est basique. C'est basique volume 2, en fait. La prod, elle est incroyable. Tu connais des stars, mais tu connais ça. Ok super. Ok super. Ouais, j'ai grave kiffé ce son là. Mais c'est un peu un basique volume 2, tu vois. On enchaîne avec le sixième son à la France. Ah, je m'attendais pas à un début comme ça déjà. J'ai un peu discuté politique avec ma grand-mère.
pour lui enlever le droit de vote. La Marseillaise et la drill parlent de tuer des gens. Ils disent qu'on peut plus rien dire et disent la merde tout le temps. On tue le temps de dire du mal des autres employés. T'es foutu, t'as vu juste à faire une grande école. Incroyable, ce son là il va être incroyable. Tous les faits divers sont des craquages sous alcool. C'est ce qu'on préfère, lève ton verre. Ah la 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 France. Ah, il est en piano voix en plus. Oh. Oh. Aïe aïe aïe, eh, en boîte il va être ouf ce son. Ah c'est sûr, c'est sûr. Pardon. T'imagines, tu mets ça au Stade de France et tout. Ce serait génial. Non mais c'est ouf. Mais voilà, la prod elle est incroyable. Je sais pas si c'est Skred qui a fait la prod, mais elle est incroyable cette prod. On enchaîne avec le 7ème titre, Point de rupture. Non, c'est pas entre nous, hein, tranquille. Tout va bien. Ouh, c'est de la drill. Notre couple est en train de sombrer, je sais même pas si t'as marqué. Ou si t'as baissé les bras, si t'as juste abandonné. J'ai jamais su rompre. J'ai toujours laissé les relations courir. Tuer l'amour, le voir mourir. Je crois que mon paradis s'effondre. Perdu toute imagination. Est-ce qu'on était juste une illusion? Depuis quand t'as ce truc dans les yeux qui me fait sentir comme une mère? C'est de ma faute, j'ai pas, tu m'esquives quand je veux parler des problèmes. Rends-moi celle que j'aime. Rends-moi celle qui sait. Celle qui sourit, celle qui me soutient, celle qui m'aide. Reprends celle qui tend des pièges. Reprends la colique avec les cernes. Rends ma femme, reprends sa mère. Reprends la réalité, rends-moi mes rêves. Celle qui boude, celle qui lève les yeux vers le ciel. Reprends la meuf au teint, rends-moi ma femme, rends-moi ma reine. Rends la paix, reprends la guerre. Oh, il y a eu le petit oh. Prends la nuit, rends la lumière avant que la flamme s'éteigne. La seule étincelle, c'est la phrase qui vient gâcher le week-end. On s'embrouille pour de la merde. Je te dis d'éteindre ce putain de réveil. Tu fous la haine, je fous la haine. On est les fantômes de nous-mêmes. C'est quoi l'amour sans jamais le faire? Ouf. Oh, elle est incroyable cette phrase. Dis-moi ce qu'il faudrait que je comprenne. Parle-moi, je suis pas dans ta tête, putain. J'ai jamais envisagé qu'on se quitte. C'est sûr, il a écrit ce son-là après une embrouille. Ouais, ça t'a carrément, oh, ça t'a mis en panique un peu. C'est trop beau. Non, mais c'est pas que c'est beau, mais c'est très bien écrit. Ah ouais, mais c'est magnifiquement bien amené. Et puis la prod, elle est incroyable encore une fois. Donc du coup, on enchaîne avec le 8ème titre qui est Nous contre le monde. J'aime bien le côté acoustique. Ouais. Ta mère a peur de la fin du monde, donc je voulais t'appeler Coco. On a des chances si tu lui sembles un peu. Si tu savais bien nager, ça serait mieux. Si tu deviens genre meilleur que nous, on peut peut-être s'en sortir. Nous contre le monde. J'ai l'impression après le son Point de rupture, ça fait un peu comme c'est une réconciliation un peu. Ça fait quelques années qu'on attend. T'es sûrement perdu en route ou juste t'as pas envie d'entrer dans le jeu. Ah, c'est l'enfant qui l'attend en fait. Faire un vœu. Tous les mois la défaite quand on comprend que tu vas pas venir. On se connaît pas. C'est ça, il est incroyable le son en fait. Incroyable. Contre la fin du monde. Contre le monde quand tout s'effondre. Mais il est incroyable ce son. Donc c'est un son, en gros une déclaration à son futur enfant quoi. C'est bizarre, très beau. Après Point de rupture. Bah ouais, c'est ça qui est... Je trouve la transition elle est... Ouais. Elle est ouf, hein. Du coup, on enchaîne avec le 9ème titre, et d'ailleurs, le seul feat hein, de cette édition, donc avec Angèle, sur le titre, évidemment. Je l'ai oublié, mais sans jamais devoir attendre. Tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois, le réveil est violent. On me perd, moi, la première, évidemment. Des fois, j'y arrive, souvent, je me trompe, quand je commence, et puis j'apprends. Sa place au sommet sans vouloir attendre. Si c'était facile, ça saurait. Tu vas tomber, faudra te relever. Ça, tu vois, c'est le son qui va tourner en radio, ça. Et pourtant... Ça, c'est le profil pour tourner en radio, ouais, ce son-là. Sais, mais... J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant, je peux le redevenir en moins d'une minute.
La route est longue, elle est sinueuse. Tu vas tomber, faudra se relever. Au grain, oublie les soirées, jours fériés, les week-ends. Dites à héros pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment. Y'a pas de cheat code, crois pas leur arnaque. Que du travail, un peu de chance et du karma. Évidemment. Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre. Si c'était facile, ça saurait. En plus, je trouve que même le son, tu vois, là, on est carrément dans l'univers d'Angèle, en fait. C'est un son Angèle, en fait. T'as l'impression que c'est Angèle, feat Orelsan, et pas Orelsan, feat Angèle, tu vois. C'est pas le meilleur son. Hein. C'est, moi, déjà, bon, ça partait pas avec des avantages, hein. Non, moi, j'ai rien contre Angèle, mais là, je trouve que ça casse le truc. Bah, le truc, c'est que t'as l'impression que c'est un son qui a rien à voir avec le projet, quoi, avec l'album. Non, c'est un petit, voilà, c'est un hit, hein. C'est clair que ça a un profil de hit, hein. Ça, ça va tourner en radio, énergie, tout ça. Ça va cartonner, hein. Ça, je pense que ça va être même le... Il y a moins que ce soit le premier single d'or de cette réédition. Hein. Moi, franchement, je suis pas étonné. Ah ouais. Je vais pas te mentir, ouais, je suis pas étonné. Ah, franchement, fuite Angèle. Je voyais pas Angèle partir, en tout cas faire une prise de risque du côté d'Orelsan, tu vois. Bah, moi, ouais, mais non. Non, non, franchement, je savais qu'on allait partir sur un tube façon Angèle, quoi. On enchaîne avec le dernier titre, on a gagné. Trop. Normalement je bois pas de champagne mais ce soir il a bon goût. On s'est battu même quand le monde entier était contre nous. Franchement, il est ouf. La conclusion de la réédition est incroyable. Ouais, ouais, mais vraiment, ce son-là en concert, oui. Je pense que le stade peut brûler, hein, ah, vraiment. Waouh, cette réédition, oh, ouais. Civilisation édition ultime. Waouh! Du coup, notre avis final sur cette réédition de Civilisation, donc Civilisation édition ultime. Je le rappelle, 10 titres, voilà, 10 nouveautés avec un feat avec Angèle. Ton avis globalement, Madame Pas Possible, qu'est-ce que t'as pensé globalement de ces 10 sons? Non, j'étais voilà. Agréablement surprise. Bon, sauf Angèle, j'avoue que je m'attendais ouais. pas. Donc t'as été déçu par le son d'Angèle, ouais. Ok. Je pensais pas que ça allait casser le délire. Ouais. C'est vrai que milieu, ça genre... fait un peu un. Tu sais, comme un. Je sais pas comment dire ça, un peu un. J'ai pas le mot, tu sais, quand t'es sur la route et que t'es sur le côté. C'est un peu, tu sais, t'es dans la bande d'arrêt d'urgence. Voilà, c'était ça que je cherchais. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça a fait un peu bande d'arrêt d'urgence. C'est un peu, c'est SCH avec Jules dans le truc. Exactement. Julius, quoi. Ouais, non, exactement. Mais je suis. On est pareil. Je l'aime de ouf. Et globalement, qu'est-ce que t'as le plus kiffé? Qu'est-ce que t'as aimé globalement? Après, tu peux citer quelques sons, hein, mais qu'est-ce que t'as aimé dans l'ensemble? Juste un dernier, j'aime beaucoup. Ok, ouais. Super. À la France, hyper bien. Point de rupture, je pense que vraiment, c'est au niveau beau. Du texte. Ouais, c'est ouais, très, c'est très beau. Après, le reste, c'est vraiment au niveau de la prod, tu sais, c'est hyper original. Ah, oui. Bah, de toute façon, c'est Scred. Hein. Ouais, non, mais j'aime Scred, trop. Scred, c'est un génie, évidemment. Et en plus, les documentaires, d'ailleurs, il y a une partie 2 hein, du documentaire Orelsan, c'est sur Prime, qui devrait sortir d'ici quelques temps. Beaucoup ont découvert Scred, mais Scred, c'est un génie. C'est lui qui a fait Orelsan, pratiquement. Et ouais, non, franchement, Scred, gros taf, évidemment. Et bah moi aussi, bien sûr, j'ai kiffé cette réédition. Déjà, moi, j'avais vraiment énormément kiffé l'album. À la base, j'avais vraiment kiffé parce qu'il y avait énormément de thématiques qui étaient traitées, même si l'amour, l'effet de société, tout ça revenait beaucoup. Mais je trouvais qu'il avait toujours un angle différent, donc ça faisait qu'on se lassait pas trop. Et là, pareil, là, il revient un peu sur son enfance, ce qu'il a fait avec La Fête est finie. Il revient aussi énormément sur l'effet de société, tout ça, avec notamment le titre À la France, ou même le titre Ok, super, je trouve, où il critique un peu ce qui se passe autour de lui, les réseaux, etc. Et encore une fois, l'amour, il est très très fort. Le son Point de rupture, moi, pour moi, c'est une leçon d'écriture. Vraiment, même, c'est une leçon d'écriture. Nous et contre ouais. le monde. Bah, nous contre le monde aussi, c'est ce que j'allais dire. Mmh. Tu vois, le son pour son futur enfant, on lui souhaite en tout cas, franchement, incroyable. La déclaration, elle est incroyable. Et je pense que ça doit énormément aussi toucher sa femme, évidemment. Et ouais, comme en plus, ça arrive après Point de rupture, ça fait un peu le. Ouais, allez, on se réconcilie, voilà. Et il y a quelque chose qui nous unit bientôt, en tout cas on l'espère, c'est, ouais. C'est ce futur enfant, donc franchement j'ai grave kiffé, et donc voilà, gros coup de cœur pour le son Point de rupture, et en plus la conclusion, on a gagné, moi je trouve c'est ça m'a foutu les frissons, moi j'ai trouvé, voilà, c'est le point final, et t'as limite l'impression, ça y est, j'ai plus rien à faire, on a gagné les gars, ouais. Je m'arrête là-dessus, voilà, je reviendrai quand j'aurai envie, et puis
Et puis basta quoi. Et bah, je te rejoins aussi sur le fait que pour moi aussi c'est une bande d'arrêt d'urgence, hein, le son avec Angèle. Mais il fallait un feat, dans tous les albums il faut toujours un son qui sort un peu de, on va dire, de la route pour que ça tourne en radio. Non, parce que quand tu regardes le son, donc du coup la comparaison avec SCH Joule, c'est le son je crois qui a été single d'or le plus rapide. Hein. Donc c'est voilà, oui, c'est pourtant, le son qui a le plus tourné. Et oui, bah évidemment. Même si moi j'ai mis de côté quand même que c'était Angèle qui faisait le son, j'ai dit vas-y, je vais l'écouter. Ça se trouve, je vais kiffer parce qu'il y a un son, même Angèle Damso. Bon, j'ai plus kiffé Damso, mais le son est écoutable, tu vois. Mais là, j'ai du mal. J'ai du mal. Et dès les premières secondes, tu sens que t'es trop dans l'univers d'Angèle, donc tu sors un peu de l'album Civilisation. Et c'est un peu dommage. Mais sinon, le reste, franchement, un sans faute. Incroyable. Un dernier mot pour qualifier cette réédition. Incroyable. Ça fait plaisir. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-nous en commentaire, voilà, vos top 3 de cette réédition. Voilà, vous nous donnez votre top 3, comme ça on va voir si on est plus ou moins d'accord. Madame Pas Possible et moi-même, nous verrons les commentaires, hein, bien sûr, et nous en débattrons. Et voilà, et d'ailleurs, ta réaction sur cette première vidéo de réaction musique, album, tout ça, t'as kiffé? Oui, j'ai kiffé. C'est... Bon, après, c'est Orelsan, t'aimes bien. C'est oui, pour j'aime ça que bien, mais après, je suis pas hyper top pour réagir comme ça. Bah oui, mais c'est avec du temps. Bientôt, c'est toi qui vas prendre ma place, tu vas reprendre ma chaîne, peut-être, on sait pas. Hein. Donc voilà, les amis, on revient bientôt. Et ouais, restez actifs, hein, parce qu'il y a le vlog Amsterdam. Oui. On est parti à Amsterdam, franchement. Faites quelque chose. Une pépite. Bref, c'est Tag Pas Possible et... Madame Pas Possible. On vous aime, on vous laisse et on vous fait la fucking bills. Point faible, point faible, point